Alors, on passe maintenant à du cinéma, mais j'ai d'abord une petite question. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagniez 18 millions d'euros à la loterie? Oh, écoutez, je vous emmène sur une île déserte, je vous séquestre, je vous garde. Ah ouais, voilà. D'accord. 18... Je vous rends heureuse pour le reste de votre vie, ma chère Claire. Ah, ça c'est vous pas mal, ça. C'est pas mal. Beau programme. J'essaierai, alors... en tout cas. Alors, en tout cas, eh bien, c'est ce qui est arrivé à Jocelyne, alias Mathilde Seigné, qui a gagné donc 18 millions d'euros dans ce film, La liste de mes envies. Que va-t-elle faire avec? Eh bien, regardez ça tout de suite en image avec la bande-annonce. Jocelyne, t'as vu? Oh, 18 millions d'euros juste ici à côté de chez nous. C'est pas possible. Une chance sur 76 millions de gagner et c'était tombé sur moi. C'est bien la somme. C'est bien votre nouvelle vie qui commence. Vous êtes riche, c'est un fait. Vous allez pouvoir vous acheter ce que vous voulez, faire des cadeaux. Mais attention. Attention, pourquoi? Jo, tu sais, il faut que je te dise. Rien de grave, j'espère. Quand on a de l'argent, soudain... Parce que si t'arrives à quelque chose... On vous aime. Je mourrais sans toi, moi. Il y en a quand même qui ont survécu, non? Ceux qui ont gagné 30, 50, 100 millions. Mais justement! Justement! Les filles, j'ai un truc à vous dire. Oh, j'adore! L'argent rend fou, Madame Guerbet. Vous l'avez annoncé à vos proches? Non. Parfait. Le seul qu'il savait, c'était papa. Fais une blague, là. Mais il a un problème. Tu perds la mémoire toutes les 6 minutes. La liste de mes envies avec 18 millions à la banque. Une lampe pour l'entrée. Deux poils TFA. Un couscoussier. Un nouveau manteau. J'en suis le dire à personne. Humilité. J'ai peur de changer. Intégrité. Alors il y a ceux qui se contentent de rêver en pensant que ça leur arrivera jamais. Et ceux qui... Qui se bougent le cul. J'ai tellement d'argent que je sais même pas ce que je pourrais en faire. Oh putain! J'ai peur que ça change ma vie, les gens que j'aime. Si tu peux t'offrir une nouvelle vie, si tu veux. Je l'aime, ma vie. Et toi, tu ferais quoi, Jo, si je t'annonçais la nouvelle? Travaille bien. Moi, je te dis, dans un an, je suis loin, au soleil, pété de thunes, et je me fais refaire les seins. Je vais pas arracher des poils de cul toute ma vie. Hein. Ça, non. Je vise plus haut. Les aisselles. Vous vous moquez pas de moi, mais j'avais l'impression de vous connaître, quoi. Voilà, c'est ça. Combien? 18 millions. Ah ouais, quand même. Savez-vous que le toit de la sacristie... J'aurais tellement voulu que ça ne soit jamais arrivé. Luc nous dit... La liste de mes envies, ça a l'air très très sympa, ouais, comme film, avec Mathilde Seigné et Marc Lavoine, donc, que vous pourrez retrouver au cinéma à partir de mercredi. Et puis clin d'œil aussi à Julie Ferrier, hein, qui est vraiment exceptionnelle dans ce film. Et un autre clin d'œil à un comédien qui monte, Raphaël Langlais, que vous retrouvez également dans la série, hein, Candice Renoir, et que vous retrouvez dans ce film de Didier Lepêcheur.